Copy that, Sam. Sam's got to keep on it here. Bird makes it stick and takes victory in Argentina. Come on! Radio check, Jerome. Radio check, Jay. D'Ambrosio is the man who, from pole position, has managed to hold the lead of the race. Yes! Awesome, guys. Jerome D'Ambrosio, 0.8 seconds clear of Sam Bird. Sam Bird is lining up a move here. And he's now right on the back of Jerome D'Ambrosio. What a drive by both those guys there. Et salut tout le monde, bienvenue pour la vidéo post-événement Formule électrique. Alors on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé il y a quelques jours du côté de Leicester en Angleterre. On est donc parti pour faire une petite compétition. La première pour moi, je voulais vous faire cette petite vidéo post-event. Alors première information, c'est que vous pourrez me retrouver le samedi 23 avril à Paris. Je serai présent sur le site du circuit de la Formule électrique, donc ça c'est plutôt sympa. Je ne vous en avais pas parlé à l'époque, mais voilà, j'ai réussi à choper des places. Vous voyez donc le programme, on avait 4 courses à disputer, on était 6 youtubeurs issus de la communauté Forza Motorsport, puisque en fait ce n'était pas un événement Forza mais bien un événement organisé par la Formule E. Alors voici un petit peu ce que il était prévu. On nous dit donc que nous étions 6 youtubeurs issus donc de la communauté Forza, et surtout 4 courses étaient à disputer, en plus de 2 petites courses supplémentaires, une contre le pilote belge Jérôme D'Ambrosio et le pilote britannique Sam Bird, qui était venu faire le déplacement jusqu'à Leicester. Donc là, si vous parlez anglais, vous avez toutes les informations, et vous voyez qu'on était donc dans un grand hall avec de très belles installations qui avaient été mises en place par l'ESL. Vous voyez à gauche René, qui est donc allemand et qui est la personne qui m'avait contacté le mardi de la semaine de l'événement. Donc tout s'est fait entre mardi et vendredi, entre l'organisation de ma venue, etc. Et je tiens à remercier les personnes de l'ESL France qui m'ont mis en relation. Et c'était donc un événement, bien sûr, organisé par ESL Allemagne et non pas ESL UK. Vous découvrez les 2 pilotes qui étaient donc avec nous en studio, et c'était très agréable de voir l'application quand même qu'avaient certains pilotes dans cet événement, puisque la Formule électrique, en plus de renouveler le style de la course automobile en elle-même, eh bien renouvelle aussi le jeu vidéo, et c'est plutôt agréable de voir que voilà, la communauté gamer est assez respectée et non pas critiquée. Vous avez d'ailleurs l'entièreté de la VOD, parce qu'ici c'est un petit peu une coupe, on va passer un peu plus d'une demi-heure ensemble, mais voilà, vous allez avoir la VOD complète de l'événement en anglais, qui sera dispo dans la description. Alors on a eu droit en fait donc à 4 courses, entre chacune des courses l'analyse de ce qui s'est passé en piste par D'Ambrosio et Bird, et ça a été plutôt concluant. On a eu que des critiques positives, en tout cas les choses qui nous étaient reprochées étaient souvent dues au fait que D'Ambrosio et Bird n'étaient pas familiers avec le monde du gaming, et finalement globalement il y a eu bonne entente. Le seul regret, c'est que voilà, l'organisation était telle qu'on n'a pas eu vraiment le temps de discuter avec eux en dehors de la piste, et ça a été très court. J'ai pu échanger pendant une petite dizaine de minutes malgré tout avec Jérôme D'Ambrosio, qui m'a demandé qui es-tu, comment tu t'es retrouvé là et qu'est-ce que fait un Belge ici. Et voilà, il a dit que c'était plutôt cool, alors que vous avez un magnifique joueur sur votre droite. Alors faut savoir que le garçon du milieu n'était pas du tout prévu pour être présent, puisqu'il y avait quelqu'un qui était invité, qui a dit je vais prendre mon train, je vais prendre mon avion, je vais prendre mon hôtel, et qui n'est pas venu. Donc ça c'est un petit peu le problème, c'est que quand vous faites confiance aux gens, malheureusement parfois ça ne se passe pas bien. Ici vous avez Niklas, avec qui j'ai fait le trajet entre la gare de Birmingham et les studios de Leicester, qui est un gars très sympa, qui est un gros joueur Forza. Il est plus de niveau plus de 700 multijoueurs, je pense, dans Forza. Alors, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que là, vous me voyez discuter, et vous allez même m'entendre pendant la première course, parce que il faut savoir qu'à une demi-heure du lancement de l'event, le SL nous a dit « Les gars, vous allez rouler avec votre propre pseudo, parce que sinon, on avait des pseudos qui étaient faits avec des comptes rapidement créé, et on n'avait pas droit à beaucoup de personnalisation. Donc on s'est dit on va pouvoir synchroniser nos comptes. Les 6 joueurs se sont connectés, mais le temps de synchronisation fut tellement long, et l'event allait débuter sur le temps de midi. On s'est dit écoutez, tant pis, on va y aller et on va recréer des comptes. Donc on a tous créé un compte, donc nouvelle boîte mail, nouveau compte Google, nouveau compte Microsoft, et on a pu créer nos pseudos et pouvoir avoir quelque chose de plus reconnaissable aussi pour les viewers. Ça c'était pour la petite histoire. Et donc j'étais hôte de cette session, qui était une session faite en LAN entre les 8 postes de pilotage plus notre équipier. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé aussi au niveau des équipiers dans quelques instants.
Et donc c'était génial parce que j'avais mon poste où je me concentrais pour la course avec mon niveau qui est catastrophique comme vous le savez, mais j'avais à droite un gars qui fait tu peux vérifier ça, j'avais un gars qui arrivait à gauche, il fait tu dois inviter tel pilote, tu dois ajouter tel compte, tout ça en anglais, donc je vous dis pas le bordel quand c'était à 5 minutes du départ qu'il fallait tout régler. Ici vous avez Jolic qui est donc un des pilotes contre qui on s'est battu pour la victoire. Mais ce qui était très intéressant donc, c'est qu'on devait chaque fois inviter un pilote de notre communauté. Moi j'ai préféré prendre des pilotes de la communauté française. Donc on a fait appel à, eh bien, à Seven, à Mr. Jack, à Azix et à Lège. Donc là vous voyez la première course. Alors l'idée de mettre en avant la formule électrique, c'est parce qu'il y avoir un nouveau championnat pro qui va débuter sur Forza avec comme star, eh bien, la formule électrique, le championnat Pro Series. Alors vous voyez que nous, on nous a demandé la veille lors de l'organisation pour s'y retrouver, éviter les accidents entre coéquipiers, eh bien de choisir un skin. Alors étant principalement représenté par des pilotes français, on était trois français et moi je représentais un peu la Belgique, eh bien on s'est dit qu'on allait opter pour l'équipe française IDAMS, et c'est plutôt sympa parce que les pilotes allemands avaient eux opté pour l'équipe APT avec notamment Daniel APT qui pilotait ses voitures jaunes, rouges et vertes que vous voyez donc dans le peloton, et ils ont même été retweetés par le pilote lui-même en étant félicité pour leur performance. Alors on est du côté de la première course ici, on est à Rio. Alors on a eu 4 affrontements sur 4 pistes différentes. La seule piste qui était au programme et qui était vraiment partie du championnat formuleux, c'est l'une des prochaines manches, c'est Long Beach. Sinon c'est vrai qu'on a dû simplement se contenter de tracés routiers. Malheureusement ça a très vite posé un problème dans certains secteurs, puisque vous voyez que la piste de Rio qu'on emprunte est une piste très rapide, et ces formules électriques ne sont pas les voitures les plus rapides de l'histoire du sport auto. Donc rapidement on était en train de bloquer en bout de 4ème vitesse, parce que voilà, c'était compliqué de s'en sortir avec l'étalonnage des boîtes. Sachez que pour ma part je pilotais sans aucune assistance, seule la stabilité était autorisée pour moi. Je me suis laissé quand même la stabilité, mais j'étais en boîte manuelle, etc. Ce qui va d'ailleurs me jouer un tour à la fin de la première manche, on va le voir après. Donc je vous ai fait un résumé, vous n'allez pas voir toutes les courses évidemment. Donc ici on a Alan Walsh qui est le gars donc, qui est je crois irlandais, avec qui on a pas mal discuté, et qui lui est en fait un des joueurs, la team AR Gaming, qui est une équipe qui joue principalement à Forza et qui a terminé malheureusement très loin dans le classement parce que voilà, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Il y a eu plusieurs approches, il y a eu les pilotes très très bons. Alors les commentateurs ne l'ont pas mentionné dans cette première course, mais donc je faisais équipe cette fois-ci avec Azix évidemment. Et Azix était pris dans l'accident au départ, ils ont totalement oublié Azix dans la liste parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils prennent la tête. Donc ils parlent un petit peu de Jolic et des autres pilotes qui sont en train de passer devant. Mais on n'a pas vu surtout qu'il est remonté de la 19-20e place pour gagner cette première course, ce qui nous a permis de faire une très très bonne moyenne, vous allez le voir aussi également. Alors Lucas Bracht ici, c'est un autre pilote originaire d'Allemagne, il a je crois plus de 120 000 abonnés sur YouTube, qui est quand même quelqu'un d'assez important, qui teste beaucoup de jeux de simu et de multigaming un peu plus arcade aussi. Et voilà, donc Jolic ici, le gars qu'on a vu arriver le dernier jour de l'épreuve, il n'était pas là pendant les répétitions et les setups, il est arrivé une heure ou deux avant l'event à 9-10 heures du matin. Il s'est posé, il a tourné tout de suite très très vite, et il avait une communauté très forte, donc il était parmi les pilotes les mieux préparés en termes de communauté plus joueurs. Alors on va switcher ici vers la fin du quatrième tour, le début du quatrième tour, et vous voyez devant voilà, la voiture bleue et jaune de l'équipe IDAMS qui est pilotée par notre ami Azix, qui est en train de remonter. On ne va même pas voir le dépassement, puisque même à l'issue de la première course, le débriefing des commentateurs va se baser sur la victoire de Jolic, qui n'était pas du tout finalement vainqueur. Mais bon, voilà, quand on a des gars comme Azix et Lège, Seven et Mr. Jack dans la communauté, voilà, c'est normal de faire appel à eux, parce que ce sont des pilotes qui ont un niveau absolument démentiel. Ce sont les meilleurs de France, d'Europe, et voire même du monde. Donc voilà, on en a profité. Alors j'ai eu pas mal de critiques, de moqueries de la part de mes petits camarades en off, parce qu'ils disaient, oui, t'as monté une équipe de malades, de tricheurs finalement avec tes amis français. Mais quand on fait le total, on ne termine pas si loin devant le reste des équipes. Donc ça n'a pas été non plus une mise à mort de la part de l'équipe de France face aux autres candidats. Et si les Allemands qui m'ont tant tapé dessus, comme quoi j'avais pris une équipe un peu trop forte et un petit peu cheatée, finalement, si on ne l'avait pas prise, ils auraient, eux, écrasé la compétition. Donc finalement, aucun regret à ce niveau-là. Je suis devant Niklas, donc, des Gaming Libertines, qui est donc un streamer Forza, notamment, qui a plus de 700 niveaux, je pense, sur le Forza 6, qui le connaît bien plus rapidement et bien plus vite que nous sur cette piste-là. Et vous voyez que ça pousse. Alors effectivement,
On n'avait pas de consignes particulières pour les épreuves, ça devait simplement se passer calmement. Et alors là, vous voyez, on sort dans le dernier virage et je vais rater un rapport de bot, ce qui va me faire perdre mon élan. J'étais un petit peu en sur-régime pendant un petit moment, il en fallait pas plus pour qu'à l'extérieur ça passe, alors qu'Azix a remporté la victoire. Et là, j'ouvre comme un imbécile la trajectoire, on se retrouve à 3. Et j'ai mal géré la pression et on se termine donc cette première course à la 7ème place malheureusement. On pouvait pourquoi pas arracher un top 5, mais ça a été très très serré. Alors on n'a pas été trop filmé, enfin pour ma part j'ai pas été trop filmé par les caméras, ils m'ont un peu oublié. Bon, résultat c'est qu'ils m'ont filmé avec le trophée, c'était le plus important finalement, hein, parce que voilà, si j'étais en retrait un petit peu pendant la compétition, c'est pas plus mal de sortir un petit peu de l'ombre en fin d'épreuve. On a mené donc à l'issue de la première course avec la victoire d'Azix et ma place. Et finalement, voilà, on a été toujours premier, deuxième au fil des épreuves, mais on avait à ce moment-là aucune idée du classement. On ne savait pas comment était basé le classement, quels étaient les critères, les points attribués à chaque place. Est-ce que c'était simplement le nombre inversé? Est-ce qu'il y avait plus de points ou moins? Donc c'était vraiment quelque chose de très flou pour nous. Donc on ne savait pas si on devait attaquer ou si on devait être un petit peu plus tendre avec la voiture. Donc voilà, c'était assez cool. Pour ceux qui se demandaient, donc on avait juste l'obligation de retirer quelques aides, donc pas d'ABS. La boîte pouvait être également automatique, mais surtout pas de trajectoire pour l'effet visuel. Alors vous avez à droite le deuxième commentateur qu'on a lui retrouvé également très tard dans l'event. On a pu discuter un petit peu avec lui avant, mais voilà, il est à la base, ce sont les deux commentateurs de l'e-sport allemand et anglais du WRC, le jeu WRC 5 que vous connaissez bien, qui n'est pas le meilleur jeu du monde, mais qui a un potentiel e-sport assez important, en tout cas les développeurs travaillaient pour. Et là, on a eu un tableau qu'on a eu qu'une seule fois, malheureusement, on ne l'a plus eu ensuite, c'était le cumul des temps, c'est-à-dire mon temps de course plus le temps d'Azix, et finalement, on a été rapidement classé avec une seconde et demie d'avance sur la team Apex, mais les Gaming Libertines donc avec Niklas qui se retrouve derrière, c'est assez la surprise. Alors au niveau de l'affichage, j'ai une petite erreur avec le team AR, puisqu'à la base ça ne devait pas être deux teams de la R12, mais bien alors pas la R12, la Renault, hein, la R12 évidemment, mais voilà, c'est deux équipes différentes, donc c'était un petit peu confus au début parce qu'il y a eu pas mal de changements de dernière minute, mais globalement c'était une organisation pile poil au top. Alors on devrait switcher rapidement sur la deuxième course. On va avoir droit à une petite analyse aussi des vrais pilotes de Formule 1 qui nous donnent leur avis sur ce qui s'est passé. Avec chaque fois on avait droit à un débriefing et un briefing entre chaque course, mais nous on n'avait pas toutes ces informations là. C'est-à-dire que là actuellement, on avait, nous sur le grand écran où on jouait, le retour de ce qu'on voyait pendant le stream. C'est-à-dire voilà ce que vous voyez, c'est-à-dire les casters. Et c'était très perturbant parce qu'on ne savait pas où on en était dans l'event et dans l'épreuve. On attendait de nous dire go. Alors moi pendant ce temps-là, j'avais un peu plus de choses à faire parce que j'étais sur mon téléphone sur le Facebook avec Azix, Ledge, Mr. Jack et Seven, et il fallait donner les infos, genre on part là, on fait ça, qui fait telle course, telle organisation, etc. On découvre en même temps le classement. Alors j'ai 31 points, alors évidemment la victoire d'Azix et ma place derrière, donc je ne sais vraiment pas comment c'est calculé, sur quelle base, sur les 12 pilotes, est-ce que c'est de 1 à 12 points alors que le premier a 12 points, puis je sais pas, sincèrement on n'a pas été informé plus que ça du calcul. Parce que vous voyez que tout à l'heure on avait les deux pilotes de l'AR qui étaient les plus rapides mais qui finalement terminent en 2 et 6ème place provisoire, donc c'est assez compliqué. I mean, team AR12 Gaming, on 6th, a comeback right now, I mean it's only the second race, but right now he's not looking that good. No, he's under pressure right now. So yeah, he has to deliver. Niklas, just step up right now, you should. Because we want to see Prague, of course. There we go. Alors on passe à la deuxième course. Alors il faut savoir aussi qu'on n'avait pas de séance qualificative. Donc c'était à chaque fois les qualifs du random. Donc il fallait qu'on parte avec la position qui était donnée de manière aléatoire. Et malheureusement, il est vrai qu'on n'a pas eu un super tirage avec les équipiers. Donc là, on part du côté de Prague. Moi, j'ai été surpris dès le premier freinage où j'ai été complètement au large. Et j'étais pris avec les pilotes les plus rapides. Donc on voit ici Niklas qui était clairement le joueur le plus rapide des 6 qui était sur scène. Bon là je me fais totalement détruire sur la droite en vitesse de sortie de virage parce que je n'ai absolument aucune maîtrise. Alors oui, certains ont critiqué aussi sur la VOD YouTube le fait qu'on pilotait en vue poursuite ou à la manette. Sachez les gars que Forza c'est un jeu qui joue à la manette. Il est très bon pour ça, il a été construit pour ça, donc évidemment c'est normal qu'on ne joue pas avec un volant et un pédalier, ça aurait été beaucoup plus difficile. Ici vous voyez Mr. Jack qui est pour l'instant en tête et le malheureux va se faire je crois mettre dehors. Parce qu'on voit devant les deux équipiers de l'équipe Apt là qui sont en train de s'éliminer. Voilà, regardez Niklas qui va pouvoir en profiter. Donc il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont tenté de jouer vraiment de manière équilibrée. On était vraiment face à des, je ne vais pas dire des bourrins, mais c'était vraiment
on fait au mieux, on essaie de bousculer, et si c'est son équipier, tant pis. Tandis que moi, j'étais là vraiment en train de dire, je vais ouvrir le chemin à mon équipier qui est forcément le plus rapide, et moi, je vais tenter derrière de bloquer mes petits camarades et de ramener un maximum de points. Ça s'est bien passé à plusieurs reprises, malheureusement, sur cette piste-ci, ça a été une catastrophe, parce que j'ai été tapé le mur, j'étais à la dérive, j'étais pas aidé par notamment Alan, qui a eu la bonne idée de venir me bumper plusieurs fois. Et on va découvrir donc que voilà, donc TGL Johnson, qui est donc Niklas, notre ami allemand, qui va se récupérer la tête. Vous voyez que c'est parfois la foire d'empoigne sur le pont ici à Prague. Mais voilà, entre équipiers, il n'y avait pas vraiment de logique et pas vraiment de soutien. Donc c'est un petit peu dommage. Vous voyez que moi, je navigue à la 9e place. Je suis derrière Lucas, qui est beaucoup plus rapide. Et derrière, c'est Alan. Et il va y avoir contact. Et j'ai vraiment pas de chance parce que si je passais... Alors j'arrive à la remettre dans le bon sens sans perdre trop de temps, heureusement. Derrière, il y avait encore de l'espace avant qu'Alan ou Lucas reviennent, mais malheureusement, voilà, à la faute, on ne pouvait pas l'éviter, et comme c'est des tracés urbains, évidemment, il fallait taper dans la voiture qui était à la dérive, sinon, c'était pas marrant, mais de toute façon, je n'avais absolument aucune chance avec ma voiture sur ce circuit, qui est un circuit que je déteste depuis sa sortie dans Forza 5. J'ai jamais été à l'aise à Prague, j'ai jamais aimé Prague, et c'est pas aujourd'hui que j'allais commencer. Donc là, on est vraiment dans une conduite défensive, mais je suis face à des gens que je peux tenir, parce que Lucas... certes a plus d'abonnés mais n'a pas plus de vitesse de pointe avec sa Formule 1, donc je pouvais largement le tenir. Malheureusement, une petite erreur de passement de rapport de boîte n'en demande pas plus à Lucas pour passer. C'est un petit peu dommage, mais bon, j'avais très vite compris que cette course là c'était limiter les dégâts, ne pas sortir, ne pas taper et voir où on allait terminer. Et quand vous voyez la minimap en bas à gauche, vous voyez bien que ça allait être compliqué d'aller ramener un top 5 dans celle-ci. Vous voyez donc TGL Johnson en tête. Pourquoi? Parce que Mr. Jack s'est fait mettre dehors. Il est allé taper les pneumatiques, et vous savez que dans Forza, quand vous tapez les pneus, vous êtes très vite en train de rebondir, vous ne pouvez pas glisser contre les pneus. Et malheureusement, il a glissé, je crois, au 7 ou 8e rang. Alors, on retrouve Alan de nouveau derrière moi, qui ne va pas hésiter à me bumper, comme tout au long de l'épreuve. On était plusieurs pilotes à être en difficulté avec la voiture, parce que placer le train arrière n'était pas toujours simple, et quand on pilotait certains avec des aides, c'était pas top. Il faut savoir que la R12 est une des communautés les plus actives sur Forza 6. Ils ont de très bons pilotes. Alors, ça paraît pas comme ça parce qu'il y a beaucoup d'écart entre les premiers et les derniers, mais on était 6 bons pilotes. Mais il y avait 2-3 ovnis, comme j'ai dit. Il y avait quand même Niklas et Joe qui étaient les deux ovnis du peloton, quoi qu'il arrive. Niklas avait construit une bonne équipe issue de sa communauté, notamment un pilote FCT qui était là, un pilote français dans son équipe. Et ce qui était très drôle, c'est que moi j'étais en train de construire le lobby pour la 3e course, je crois. Et à ce moment-là, je vois FCT et il fait « Ah, salut Maxou !» Je fais « Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est une épreuve pro, va-t'en, va pas jouer avec Azix ou Lège parce qu'ils sont dans ton équipe ou quoi ?» Et en fait, il dit « Ah non, mais moi je suis aussi dans l'event, mais je suis dans l'équipe de l'Allemand. » Je fais « Ah d'accord, donc la traîtrise totale de ce garçon quoi. » C'était FCT Buzzy, je crois, qui était dans l'équipe. On le verra dans la 3e manche. En tout cas, c'était très drôle de m'entendre gueuler sur le chat. Alors, vous voyez que là, je suis dépité. Je suis même pas. Je suis DNF. Et là, je me dis, comme on ne sait pas si, quand on est DNF ou non, les points sont classés, est-ce que j'ai pas fait une 9e place pour rien? C'était un petit peu le stress. Et vous voyez, malgré tout, il y a beaucoup de questionnements entre les joueurs parce qu'on se dit, mais qui est devant, qui est derrière, qui a fait le boulot, etc. Bon. On va vite checker tous sur Twitter. Alors sachez aussi que pour le bien de nos forfaits téléphoniques, il n'y avait pas de wifi dans le hall. Donc dans le studio, il fallait bien se taper la 4G à l'étranger. Donc on a tous bien raqué parce qu'il y avait un anglais, mais tout le reste avait des forfaits étrangers. Their races. Yeah, we know AR12 Gaming with Alex on camera right now. He's feeling like he needs to do more. He got all this community behind him. He got Nick on his side, you know, the guy normally doing the videos for AR12 Gaming. Yep. He's from Canada, and they know people expect a lot because they are the name on Forza. Yeah. And they have to pull off something amazing. Everyone here, amazing machinery as well. I mean. At least the infrastructure is good then to get there. I mean, you can fly to Moscow, you can fly to Paris, and of course to Berlin, not on the R airport, but you can. And that's the main point. But first of all, we will head into a short break right now, and we'll be back with even more racing action. The exhibition match is coming up, race 3, race 4 in this huge tournament. So stay with us, of course, tweet out to us, interact on Twitch, of course, because we are there as well. So see you after the break. No, it's Leicester. I did that wrong when I just tried to order a train. It wasn't that good. But we saw the first exhibition match, of course. Yeah, we're heading into the second one. It was really, really exciting race, and it's really, really, really great to watch them battling it out on the on the track. But this one will be even better because we decided to just bring on, because the community asked for it, like viewers from LPN and AR12 Gaming. So we thought we'll bring them in for this race as well.
So it's more packed. Oh, we got massive YouTubers for that. Yep. So we will see them going head to head together with Sam Bird and Jerome D'Ambrosio. That will be hilarious. So it should be quite an event, but please behave. Be calm on the first lap. Don't push them off the track. You don't win it in the first turn, but sometimes you do. You don't want to be the one that spoiled the race for a Formula E driver. Do you think they will go home like, oh, I'm so sorry I crashed into Sam Bird? I can imagine. That would be probably awesome. Probably not feel too sorry, but their mates will certainly make fun of that. Yeah, that's true. I mean, they crash an actual racing driver. Yeah, that's why. You shouldn't do that. No. So stay back in the first lap. We want to see some clean racing. We got viewers right now with us. We got our YouTube racers on the stage. We got the Formula E drivers as well, you see. Simberg just like, you see, both smiling. That's good. As long as they're both smiling, everything is okay. I mean, this is racing is always about fun. Alors évidemment, je vous épargne les deux heures d'attente entre chacune des épreuves. Évidemment, ça c'était la magie du streaming en direct. Alors ce qui est cool là, c'est qu'on a pu d'abord assister à une course avec Bird et D'Ambrosio face aux gens de la communauté qui étaient sur le stream sur Long Beach. Et ensuite, nous, alors qu'il y en a un qui est parti tout droit, j'avais même pas vu. Ensuite, nous, on a pu, nous, 6 plus les deux pilotes de Formule 1, participer à une manche de 5 tours, vous le voyez sur Long Beach, qui est la prochaine épreuve du championnat, si je ne dis pas trop de bêtises, avant la France. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'ils s'en sont bien sortis, les deux garçons, et que, bon, devant, c'est absolument la catastrophe. Mais, oui, d'ailleurs, il y en a qui étaient gênés, parce qu'on vous a laissé l'explication avant de ce qui s'est passé un petit peu par les casters. Et alors, là, vous voyez Jérôme qui tourne la tête, parce que nous, on avait le TeamSpeak en direct, on avait le lobby. Et moi, je parlais avec Jérôme, je fais « Vas-y, c'est bon, t'es devant, pas de problème et tout. » Et c'était plutôt drôle de voir à quel point il jouait le jeu. Et en fait, il s'amusait clairement. Et D'Ambrosio a pas un niveau dégueulasse, sincèrement. Quand on le voit piloter, il est plutôt propre et plutôt bon. Et bon, même si on le sait que Forza n'est pas la référence, c'était quand même plutôt cool. Là, je viens de lui donner un taquet d'ailleurs à Jérôme, qui est juste derrière moi. Je suis quand même mené devant Jérôme D'Ambrosio, quel exploit de ma vie de gamer. En tout cas, on l'a vu, voilà, 18ème, il va remonter, mais voilà, il y a de la bonne bagarre. Ils essayent voilà, d'être à 3 de front, c'était très serré. Alors lui, Alex, là, il était à fond. C'est-à-dire que lui, si vous passiez à moins d'un mètre de son siège pendant qu'il jouait, il vous mordait tellement il était très chaud, le garçon. Il fallait pas l'embêter. Il était dans une concentration absolument incroyable. Vous voyez que voilà, moi je passe. Donc on est en train de se battre dans le fond du peloton avec n'importe qui. Et ce qui est très drôle, c'est que devant, les joueurs de la communauté étaient devant nous. Alors là, voilà, moi j'arrive derrière et j'escalade D'Ambrosio et Bird. Ils sont tous les deux derrière, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, mais c'était vraiment la bonne entente et on a malgré tout essayé tous de piloter proprement. Alors il y a toujours les pros qui étaient devant en train de effectivement montrer qu'ils avaient la plus longue. Mais on va dire entre voilà, le 5e et le reste du peloton, il y avait vraiment une bonne ambiance. On passe au 4e tour. Et moi je me suis battu un moment avec Bird et c'est cool parce que dans le casque on pouvait lui dire alors Sam attention les pneus machin etc. Et là ils sont tous en train de se mettre de côté, moi je vais arriver sans rien dire et sur le côté tranquillement. Salut Sam, merci de me laisser la place, à plus en LAN. Voilà, donc c'était plutôt sympa comme événement. On ne savait pas qu'on allait pouvoir piloter contre eux à la base, puisque une fois de plus, on a découvert ça sur le direct. Et on s'est dit, bah oui, c'est cool, on va pouvoir piloter contre eux et tout. On nous a dit, non, surtout pas, vous n'allez pas interférer ni faire le bordel, parce qu'on a peur que D'Ambrosio et Bird se fassent tout simplement poutrer par des vrais joueurs et qu'ils aient l'air ridicules. Résultat étant, vous voyez que je finis 14e, Bird est 15e et Alan est quand même 16e. Donc voilà, il n'y a pas non plus de honte à avoir. L'avantage, c'est que moi, j'ai quand même été présenté dans l'event, non pas comme joueur pro, mais comme commentateur du championnat de France, ce qui m'a quand même donné un petit peu plus de marge en cas de grosse boulette. Vous voyez que Bird n'hésite pas à faire les freins. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en croisant la trajectoire, j'allais être à l'intérieur, donc bien tenter ça, mais ça passe pas. Et voilà, c'était vraiment bonne ambiance parce qu'on essayait d'appliquer ensemble. Bon là par contre, là j'étais un peu énervé parce que le garçon, il n'a pas compris que ça passait pas. Mais voilà, c'était vraiment une épreuve sympa. Et alors c'est bien, c'est que dans le chat, on est en train de dire « Alors Bird, on fait de la merde, qu'est-ce qui se passe ?» Et il fait « Mais non, c'est ta faute, j'ai raté mes freins et tout. » Donc voilà, il y avait vraiment... Et vous voyez, j'ai une banane d'enfer parce que je suis en train de m'éclater parce que ça permet aussi de décompresser et tout le monde était en train de se marrer et de se dire « Allez... » C'était fun et ça nous faisait aussi un bon entraînement dans les conditions du direct sur Long Beach qui était la dernière des 4 courses qui avait lieu à la fin du direct. Donc ouais, c'était un bon entraînement. Je crois qu'on va passer après à la course de Suisse, les Alpes bernoises, qui est un autre circuit que je déteste dans Forza décidément.
voyez que les pneus ont souffert là, sincèrement, c'était un mauvais moment pour l'organisation, ils vont devoir remettre tout ça en ordre. Mais voilà, c'était plutôt bon et ils se sont bien tirés la bourre. Et donc deuxième victoire, je pense, en deux oppositions pour D'Ambrosio en race-off, qui a soulevé le trophée peu après. Bon, on vous le montrera pas parce que vous pouvez aller voir, on vous le dit. Je vous le rappelle si vous avez avancé dans la vidéo, si c'est trop long. Mais vous pouvez aller revoir. Vous pouvez aller revoir. J'adore René, c'est un mec extrêmement drôle avec une répartie géniale. On a pu passer pas mal de moments en off avec, avec leurs gars, et c'est tous des gars sympas et surtout des gars passionnés. Et ouais, si vous n'avez pas été voir en fait tout ce qu'ils font avant ou ailleurs, allez quand même voir. Alors ce qui est très drôle, c'est que vous avez en bas à droite le Twitter de notre ami Sébastien, qui n'est pas zéro oversteer mais zéro understeer, donc ils se sont un petit peu trompés. Mais bon, ça c'est le petit détail sur lequel il a râlé pendant une demi-heure après. Un autre détail auquel ils n'ont pas pensé, c'est qu'il fallait bien ramener la victoire au pays, et que moi étant venu en avion, il était impossible de ramener le trophée, puisque, eh bien, avec les conditions de sécurité, et bien avant ce qui s'est passé d'ailleurs à Bruxelles, les conditions pour ramener le trophée, c'était pas possible, je pouvais pas passer la douane ou quoi. Donc on a essayé de chercher un point poste ensemble sur Google Maps, il n'y avait pas de point poste avant 300 km, c'est assez hallucinant. Pourtant Leicester a beaucoup de boîtes aux lettres, donc on ne comprenait pas trop. Mais on s'est dit, bon bah tant pis, on va le garder, le SL te l'enverra par la poste. Alors effectivement, j'ai un peu de crainte de voir un jour arriver ce trophée, je fais confiance à l'ESL évidemment, mais c'était assez drôle. Alors il y avait aussi des techniciens qui étaient derrière, vous le voyez, on avait l'impression d'être sur scène comme des stars, et on était tous en train de déconner dans le chat, et on ne se prenait vraiment pas au sérieux, c'est ça qui était cool. Alors voilà, la troisième course, on part donc sur les Alpes bernoises. De nouveau, un classement à la limite, parce que voilà, on a encore une fois nos deux voitures qui partent assez loin. On a eu pas mal de pole position ou de première ligne pour les pilotes de la team Gaming Libertines, mais ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Parce que sincèrement, si on devait simplement se baser sur le skill des pilotes présents, c'était Niklas qui devait l'emporter, parce qu'il était clairement un niveau au-dessus. Là par contre, alors on fait un petit survirage, on perd du temps et j'arrive à repasser devant. Mais voilà, alors là, dans le commentaire, on nous dit que j'ai pris un petit raccourci, sincèrement, voilà, j'utilise toute la piste et je perds même du temps puisque Niklas arrive à passer. Et c'est là, en fait, où on a pu comprendre, et Bird l'a mentionné, et les casters, c'est là où on s'est rendu compte que moi, je pilotais pas comme tout le monde, parce que là, c'est les deux équipiers qui viennent de se mettre dehors, hein. C'est quand même fort, ça, quasiment. On est en train de se dire, voilà, on n'a pas beaucoup de chance, et devant, c'est l'Apocalypse avec 5 voitures de front. Moi, je suis derrière tout ce peloton, rendez-vous compte, je suis 11-12e, et je me dis, bon, les garçons vont se mettre dehors, on va attendre, il y a 5 tours, c'est une course très longue, on va soigner la trage et on va essayer de gagner un petit peu en vitesse. Et vous voyez que voilà, même Niklas qui est dans le peloton, on est en train de se dire mon dieu, dans quoi on est tombé, regardez ce que j'ai devant moi, c'est absolument l'apocalypse, ils sont dans tous les sens, j'ai l'impression que le peloton c'est du plancton, c'est pas possible. Donc je me dis, si les 6 devant moi parviennent à se mettre dehors ou à faire une erreur, bah il n'y a plus qu'à passer. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans cette course. Malheureusement, j'ai eu un clair manque de vitesse. On va zapper la course. Vous allez voir l'épreuve en VOD dans la description. Mais ici, voilà, on coupe déjà à la fin de la course. Course qui avait été faite par Lège. C'était mon équipier, c'était bien sûr Lège, qui était très chaud. Et c'était très drôle aussi d'entendre dans le chat ah, je pars 10e, fais chier. Puis à la fin, j'entends ah, bah j'ai gagné, c'est fait. Je fais, ah, bah d'accord, c'est si simple que ça. Il fait oh, oui, c'est fini. C'était assez drôle à chaque fois de voir mon équipier dire bah écoute, ça va, ça s'est bien passé, plutôt calme. Seul Mr. Jack n'a pas eu de chance à Prague avec la sortie de piste. Et donc voilà, on va terminer la troisième course. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'entre la deuxième et la troisième course, avec les courses qu'il y a eu en compagnie des pilotes de la Formule E, c'est qu'on n'a pas eu le classement. Donc on ne savait pas qui était devant. Alors, est-ce qu'on était toujours leader ou est-ce qu'on était derrière? Et à l'issue de la troisième course, moi je le sentais mal, parce que la 8ème place, ouais, gros soulagement, parce que c'est compliqué de se battre avec Lucas, parce que bah voilà, il était bien au classement, et comme on disait, on ne savait pas qui était où au classement général, donc il fallait absolument décider de savoir si on prenait les risques ou pas. Moi j'ai décidé d'être très soft. Alors normalement on a bientôt la fin avec voilà, la dernière course qui devrait débuter d'ici quelques temps. I've been checking out the comments on the YouTube stream and we have some lovely followers from all over the world, so shout out to Venezuela, great to see you here. Then we have some viewers from Brazil as well, so bon dia. My Portuguese nice. Is very very rudimentary, but I hope nice. It was okay. But how do you know how to create? I will tell you. Yeah, you have to tell me next time. But first, let's have a look at the result from the race number 3. So we still got Team Apex Racing in the lead, and Team Maxu just catching up, like 3 points right now. Oh, it's really close. So it seems like it will be between Apex Racing and Maxu for the win, of course. Yeah. Because we can count out Team AR12, the first team,
because I don't think they will have a comeback. No, probably not. The margin is quite high. It's almost 30 points. So just jump. Allez, on est parti pour la dernière course à Long Beach. Donc on a pu avoir l'entraînement avec les pilotes de FE tout à l'heure. C'était plutôt sympa. Donc nous on partait pas trop mal, mais le problème c'est que voilà, dans les hommes de tête, il y avait quand même Johnson qui représente la team Libertines et surtout la team Apex avec Julich. Alors là, ça commence à partir un peu en vrille très très vite et nous on était un peu inquiets. Alors j'étais 7ème, je me dis voilà, mon objectif ce sera de ramener un top 5 parce que je sais que mon équipier le fera aussi. Et je me dis que si on est tous les deux dans le top 5, ce sera mission accomplie. Alors là, il y a déjà des pilotes qui sortent un peu de tous les côtés. L'avantage c'est que ça se mettait rapidement en fantôme, donc il n'y avait pas de collision en chaîne. Alors que la livrée de la troulée est dégueulasse, je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve immonde cette voiture. Alors nous, pour l'instant ça va, on est 7ème et on est juste derrière Jolich, la voiture rouge devant. Mais ce qu'il faut savoir c'est que moi je prends pas tous les risques parce que je me dis, je me bats pas contre lui mais contre Niklas et pas contre Jolich. C'est à dire que c'est en revoyant le stream où j'ai quand même pris conscience que le gars contre qui je me battais c'était pas le bon. Donc là, le push que je lui mets, je le mets pensant que c'est un joueur lambda qui m'empêche de me battre contre les vrais, alors que c'est contre lui que je me bats, puisque c'est lui le responsable de la team Apex, qui est pour l'instant en tête 3 points devant notre équipe. Donc là, c'était un petit peu flippant, parce que j'ai pas eu le comportement que je voulais, mais dans un sens, ça m'a soulagé, parce que j'avais pas le stress de me battre vraiment pour le championnat, je pensais que c'était un joueur lambda. Donc dans un sens, ça m'a servi aussi. On voit un pilote de l'AR qui est toujours en train de mettre un survirage terrible, il a toujours pas compris qu'il fallait pas réaccélérer comme un sagouin, et qui va même, là j'avais peur qu'il aille taper le mur de béton de pneus et qu'il m'arrête complètement, ça aurait été catastrophique. Alors que devant Seven de la BAM, effectivement, donc mon équipier, puisqu'on avait les formules aux couleurs de Dams, qui sont en train de faire le boulot, une fois de plus, avec voilà, la bataille superbe. Alors c'est dommage que la réalisation s'est un peu plus attardée sur le championnat, et non pas réellement sur ce qui s'est passé avec la lutte en tête, parce que la lutte avec Seven et Niklas était absolument superbe. Alors Resboy était l'équipier, je crois, de Jolich, qui fait que ils étaient plutôt bien placés au classement, et que si les deux ici venaient à se mettre dehors, bah c'est nous qui allions le payer cher, puisque ça aurait permis à l'équipe de Joe de faire le boulot. En tout cas, moi j'étais plutôt serein. Alors vous voyez que je suis souvent, comme on dit dans le cadrage, casquette, c'est-à-dire qu'on a mon front ou mon casque qui est coupé, parce que tout le monde jouait posé, limite les jambes croisées, et moi j'étais les deux mains sur la table, bien, bien fixe, bien, bien en avant. Donc ça, la Real l'avait pas prévu parce qu'on a changé de siège au dernier moment. Enfin, typique à l'organisation, voilà. Mais voilà, ça c'était pour la petite histoire. Bon, je vois que finalement, Joe est aussi casquette. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont bien cadrés dans l'aventure. Alors, voyez la lutte qui était vraiment sympa. Il y a eu quelques occasions. Alors là, je bloque Lucas parce que je dois remarquer de gros points. Mais bon, là, il a pas pu tenter de me doubler parce que j'ai fermé la porte et qu'il doit surtout pas me toucher parce que lui sait que je me bats pour le titre contre Jolich, donc il dit si je le mets dehors et qu'il perd le titre, il va me défoncer. Mais moi j'aurais même pas pu lui en vouloir parce que j'avais même pas que je me battais contre Jolich. Bref, c'était compliqué. Alors on va abréger, on va repasser je pense rapidement au montage vers la fin de la course parce que là il n'y a pas grand chose à dire. Vous allez voir de toute façon l'ensemble des courses, je vous l'ai dit dans le descriptif. Et la lutte en tête qui était vraiment... Je suis vraiment déçu de ne pas avoir la VOD sauvegardée sur mon profil ou quoi parce que ça aurait été plutôt sympa de revoir cette lutte avec, avec Niklas et Seven. En tout cas, un gros gros merci à Labam et OTX3 d'avoir répondu présent à l'appel. Dans le quart d'heure, j'ai mis un post sur Facebook, je cherche 4 pilotes pour vendredi sur Forza. Dans le quart d'heure, j'avais les 4 messages des 4 pilotes, même plus d'autres pilotes qui sont mentionnés. Je pense aussi à Anto qui aurait dû être de la partie, qui n'avait pas été non plus retenu alors qu'il était présent. Mais voilà, on avait une équipe très forte. Alors là, je suis 7ème derrière notre ami Lucas et devant, voilà, Jolich. C'est-à-dire que là, je sais pas que je me bats contre vraiment le leader du championnat. Et là, je lui mets un coup droit absolument honteux parce que là, je pouvais passer sans le toucher. Mais voilà, à la relance, ça aurait pu être chaud et on va entamer le dernier tour de course, je pense. Oui, et là, il est à l'extérieur. Donc moi, je me dis, je vais le laisser tout doucement venir. Je garde toujours un œil pour ne pas le toucher parce que si je le tape et qu'on l'envoie dans le mur, je vais me faire détruire par l'organisation pour avoir... Parce que la consigne, c'était vraiment, les gars, faites ce que vous voulez, mais pilotez propre, faites pas les bourrins. Alors là, je l'ai empêché de croiser parce qu'en fait, dans Forza, quand vous avez un bump, la voiture devant reçoit un petit boost et la voiture de derrière est un petit peu retardée. Donc là, il commence lui à s'énerver parce qu'il doit trouver l'ouverture et là, catastrophe, je passe dans la fumée. J'ai fait comme Cole Trickle dans Jour de Tonnerre, si vous avez bon souvenir. Et moi, j'arrive à passer Lucas, mais Joe aussi, et je ne sais pas si ça va tenir. Alors là, je suis en train de compter mes vitesses dans ma tête. Je fais 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Je suis vraiment en train de compter mes vitesses concentrées pour ne pas faire d'erreur et ne pas laisser la porte ouverte. Là, je prie pour que personne ne me touche et je savais qu'au freinage de l'épingle, voilà, je savais que là, c'était gagné parce que impossible à moins de rater de vitesse que Joe repasse, alors que devant c'est Bam qui l'emporte, Bam 7. Bam already won, yeah. But we need to see those guys here. Bam won, Niklas was second. Yeah, and still, Maxu is up in front. Merci à Aurélien, Alexandre,
Julien et Fabien d'avoir répondu rapidement à l'appel. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Je leur dois beaucoup. Alors, faut savoir qu'on n'est pas rentré brocouille hein, quand même de l'event. Moi, je ramène le trophée. Je ramène aussi de la légitimité auprès de certaines personnes en France qui pensaient finalement que je n'étais pas fait pour ça. Mais finalement, je peux vous prouver vous aussi que, eh bien, en étant commentateur, on peut aussi être un bon pilote. Pas un excellent, mais un bon pilote. Donc là, on ne sait toujours pas qui a gagné. Et donc, merci à Alabama et au TX3 et au site Forza.fr d'avoir relayé toutes les infos. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous ce soir même, hein, si vous regardez la vidéo le vendredi, pour la 7e manche du championnat de France Forza. Alors, vous voyez, le calme olympien d'un homme qui ne sait pas s'il a gagné ou s'il a tout foutu en l'air. Ça tweet en masse hein, derrière, les gars sont vraiment cool. Moi, j'étais là genre, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, j'ai tout merdé, c'est une catastrophe. Puis on va quand même aller prendre le téléphone, hein, un petit peu de professionnalisme tout de même. Et donc on découvre là en fait le classement, mais nous on ne l'a pas sur l'image de derrière. Donc moi j'ai un technicien qui je dis bon alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Et il y a un gars qui vient me dire, il fait ok c'est bon t'as gagné, va chercher le trophée. Moi je suis là, je fais d'accord, donc je prends mon téléphone, je prends mes affaires pour pas qu'on me pique n'importe quoi. Donc on ramène, je vous le disais, donc 4 pads Elite pour mes 4 équipiers, et moi j'en prends un aussi au passage si l'ESL peut m'en dégoter un supplémentaire, plus le trophée. Donc voilà, c'était vraiment une expérience sympa, donc des personnes vraiment sympathiques, des passionnés, professionnels, tout le monde parlait anglais, donc il n'y avait aucune barrière, il y avait voilà, même des privés de jeu qui se sont installés, donc que ce soit à l'hôtel, au resto, avec les techniciens, avec les streamers, avec les pilotes, tout le monde était dans la même idée, la même ambiance, et on a hâte, pourquoi pas, de relancer un event comme celui-là. Et voilà, bah, il faut bien récupérer la coupe. Alors ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait des Anglais, des Irlandais, des Allemands, des Autrichiens, des Polonais, enfin il y avait de tout. Et il y avait deux Belges, et c'est les deux Belges qui ont gagné le trophée. Donc Jérôme qui a gagné le race-off face à Sam Bird, et nous, bah, voilà, on ramène quand même le trophée. Alors pas du tout de stress au moment de l'interview, parce que voilà, je savais déjà ce que j'allais dire, puisqu'on était sûr de gagner. Puisque alors, le seul regret, pour parler un petit peu des off, c'est que la veille, on était tous à l'hôtel en se disant, on va mettre 10€ sur la table, et le vainqueur ramasse l'argent. Moi j'ai dit pas de problème, je suis prêt à faire le pari et je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir fait parce que sinon j'aurais mis une petite somme dans ma poche, mais malheureusement ça s'est pas fait. Voilà, donc on était vraiment en train de se dire bon, qui a gagné, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc voilà, j'aurais bien voulu remercier AzixLege, Mr. Jack et Seven en direct. Malheureusement dans ces cas-là on est un peu pris de court parce qu'il faut conclure très vite parce qu'on a du retard, il y a eu des problèmes avec Twitch aussi, on l'a appris derrière, donc voilà, c'était quelque chose d'assez compliqué, mais bon, ça valait la peine pour l'expérience humaine, l'expérience gaming, le rapprochement entre le monde réel et le monde virtuel. Et voilà, donc hâte pourquoi pas de remettre ça et pourquoi pas remettre en jeu le trophée et le titre à nos petits camarades venus d'Allemagne ou d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bilan de ce qui s'est passé du côté de Leicester en Angleterre et de ce championnat, ce challenge Race of Formula E. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Rendez-vous donc le 23 avril à Paris pour vivre la manche de la Formule électrique dans les rues de la capitale. Et on essaiera, pourquoi pas, de se croiser au détour du paddock. Je salue Jérôme D'Ambrosio qui était malade ce jour-là et qui me l'a dit après m'avoir serré la main. C'est toujours agréable. Merci les amis d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas de vous exprimer dans la section commentaires. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à toutes et à tous. Ciao, salut.